Marche-tu sur YouTube? Ça marche. Ça marche. Great. OK, puis on va essayer ça ici. Normalement, on devrait être sur toutes les chaînes. On va voir ce que ça va donner. On est live, on est sur live là. On est live là. On est live sur YouTube. Salut Bambil. Salut Valtessa. Ça c'est cool. Attends, je vais juste m'assurer d'avoir... Ah, j'ai le bon micro. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ça, on peut mettre ça out. Je suis en train de setter mon stream sur XSplit juste pour essayer. Bon, ça devrait être bon. Fast track. Yes, bon. Ça fait de bon. Je t'ai pogné un mal de cœur, je reviens, ce sera pas long. Ce sera pas long, j'ai pas le chat devant moi. Ce sera pas très long. Bon. Ça, c'est de la chenoute. Bon, ok, là j'ai le chat. Je suis désolé, j'avais pas le chat devant moi. Ce soir, on va setuper le site sur XSplit. La raison pourquoi je fais ça, c'est que je peux faire du multi-stream avec XSplit. Et c'est plutôt cool. Pas de hockey ce soir, non, j'annule ça, ça me tentait pas.
Le hockey est un jeu difficile. Ouais. Et en même temps, je suis présentement. OK. En même temps, je me permets d'être sur Facebook. En même temps que sur Twitch. Yep, yep. On va juste aller voir si j'y suis maintenant. Yes, je suis live sur Facebook. Yep, yep. On va juste aller voir si j'y suis maintenant. Hey, c'est-tu pas tard, Facebook? Tu peux juste pas. Faut-tu rafraîchir la page pour enlever. Il y a des affaires le fun sur Facebook quand on diffuse et c'est plutôt cool, mais maudit, où est-ce qu'on, tu sais, comment on fait pour avoir juste le chat de Facebook? T'sais, non, il faut que. Ah, tu sais, le chat de Facebook, c'est des comments. Pas d'allure, pas d'allure, pas d'allure. Mais c'est ça, ce soir, on est en. J'ai réduit un peu la qualité. Je pourrais l'augmenter pour Twitch, mais c'est ça, je suis en train de mettre en place XSplit. C'est sûr que, bon, on va utiliser beaucoup un petit peu plus notre CPU. Mais c'est ça. Là, je vais faire une scène. Attendez, attendez. Je veux faire quelque chose avant. Ok, on va faire un web page. Et là, je voulais aller chercher les URL. Tu es encore déconnecté sur Twitch. Ah ouais? Ah non, je suis live. Ah non, je suis live. Je suis dans le très live sur Twitch. Ok, on va mettre. J'ai même pas de drop frame. Ça, en fait, je peux pas vraiment savoir à la vitesse où c'est indiqué là, mais à la vitesse ça l'indique là, parce qu'il switch en haut, il monte les drop frames, mais genre, parce que je stream sur trois sites en même temps, il fait comme il switch, il monte les drop frames d'un site à l'autre. Je le vois pas, je pense que c'est zéro. Dropped, dropped, j'ai rien droppé, Adam. Ok, alerte. Son humain, alerte. Good, c'est ton problème. Ah, ok. Pardon. Désolé. J'ai comme parti le chauffage à l'huile, puis. Quand tu repars le chauffage à l'huile, ça lève un peu le cœur. Mais voyons, sacrifices sont où mes alertes sont? Donation setting, account setting, intégration, alert profile. Mais c'est. Ah voilà, alert box. Bon, t'attends? Mon Dieu. Copy. Peu près là. Peu près comme ça. Holy crap.
Holy crap. Ok. Vraiment pas la petite écriture. Pour ça que j'ai tout arraché ça, une belle fournaise au bois. Ouais. Non, il veut pas. C'est... Il ménage pas ben ben. Ça, c'est weird. Il ménage pas rien. Le HTML. Ouais. Custom. Ok. Ouais, donc, custom. Ce qu'il veut dire, custom. Bon, custom, il veut. Yes. Puis subscription test. Oui, il y a moins ça, subscription. Bon. On va donner un 300. 300, mettons. On va donner un 500. Ouais, ça me tentait de gosser dans... Tiens, ça a du sens. Ça me tentait de gosser dans ça. Fait que vous êtes foutus avec moi. Vous êtes... Vous êtes foutus, vous allez avoir du stream comme ça à soir. Don't underestimate the force. Bing, bing, bong, bong, bing, bing. Bing, bing, bing. What the hell is going on? This is a test donation force et $1. Yay. Je reviens, je vais aller voir en haut si ça sent aussi, ça pue autant que... Que dans mon bureau, juste pour voir, parce qu'en haut, tu peux pas ouvrir les fenêtres, j'en reviens. Oh yeah, bon.
Je devrais me faire une espèce de page web avec toutes mes chats. Yes. Test follow, ça marche bien le follow, juste une dernière fois. Ouais. Parfait, ça c'est parfait. On va copier la scène. On va la renommer avant. On va la renommer comment? On va la renommer... Full dessin. OK. Et si on va la dupliquer. Voilà. On va la renommer en full face. Full face. Transition. Stingers. Add a stingers. Source file. Where is my source file? Il doit y avoir quelque chose qui s'appelle comme... out using transition. Il n'y a pas d'autre chose. Supported video files. En tout cas, tu fais le tirage, on pourrait faire ça ce soir. Ce serait une bonne idée. Qu'est-ce qu'il prend comme, comme fichier en transition? Point move. Ah ben oui, mais c'est ça. Properties. Change. OK. On va faire travailler un petit peu le CPU. Je vais avoir full de drop frame. Media. Convert. Save as. Add. Transition 2018. Merci. Convert. Save. Convert. Et tu mets ça en... Peux-tu me mettre en move? Savez-vous qu'est-ce que je crois? View. Je pense que... Tu peux changer les extensions. Montre-moi les extensions dans les views. Tile list. Hey, c'est-tu niaiseux, ça? OK, on va faire de quoi? On va y aller à partir de... N'hésitez pas si vous êtes sur Facebook, YouTube, vous avez des juste dire bonjour ou autre, vous êtes les bienvenus. Vous êtes simplement dans mon atelier, comme à l'habitude, étant donné que on le sait le soir, j'ai plus ou moins, je ne fais pas de dessin peut-être ce soir, mais je peux être là comme un collègue, comme un comme un ami virtuel. Pas un ami. J'irai pas jusque-là sur Internet. J'irai pas jusque-là.
Voilà. Mais je peux voir vos commentaires si vous avez laissé ça. Si vous vous en laissez. On va faire un tirage, en tout cas, c'est sûr, pour le 20$ Steam que je voulais faire tirer. Bon, OK. Maintenant que je suis là, deux. C'est ça qu'on a. C'est la seule chose qu'on a à faire, là, c'est de copier ça, faire ça. Puis là, là, lui, là, check bien ça. C'est parce qu'un MP4, c'est un point move. C'est la même affaire. Même affaire. On va l'appeler move move. Juste pour être bien certain. Fait que là, lui, on va lui dire, prendons un move. GFX. Out using transition move. Wonderful. Oh boy, là, le CPU va rusher. Ça se peut que là, j'ai des drop frames. Ça se peut que là, là il convertit. Ouh, il y a 3%. OK. Non, converti. Voilà. Et on va voir. Full dessin. Full face. Ça n'a rien donné. Stinger. Voilà. Ah ben oui. Il faut que tu fasses un... Il faut que tu aies un screen. Et je te jure. Je peux pas lui dire, mais ça... C'est comme des options. Tools. Settings. Grosse soirée de gossage. Bienvenue à la grosse soirée de gossage. Attends, je vais aller lire. Moi, je m'aperçois que j'aime ça, gosser. C'est peut-être plus ça, mon métier. Gosser. C'est pas autant... Ça, c'est autant de bande dessinée, illustration. C'est pas... Ça n'a aucun rapport. Moi, ce que j'aime, c'est gosser. Tu me donnes un bout de bois et un canif. Ben heureux dans la vie. On va gosser des affaires dedans. Add a new stinger. Add. Stinger.
Pouette, pouette, pouette. Pourquoi je peux pas rien lui rajouter? Non, je sais pas. I don't know. Okay. Stinger. Had Stinger. On va essayer de mettre, mettons, Ours, PNG Files, on va essayer de mettre lui, mettons. Ah ouais. La merde. On va aller dans Full Face. Je peux pas en tout. Bon. C'est pas le fun. Full face. Full face, c'est pas mal ça. C'est full face, comme on dit. Il n'est pas appelé de même pour rien. Oups. Puis, hey, salut tête de chat. Comment vas-tu? Ça va, pas pire. J'ai pogné un petit mal de cœur, je sais pas trop pourquoi, tantôt. En startant le stream carrément. Ouais. T'as mal à la tête? Ouais, mais toi, t'as une tête de chat. Normal. Je veux dire, come on. C'est vrai. Tu vois? Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah ouais, on va peut-être. À moins que je fasse ça, tiens, je vais essayer ça. On va essayer prendre la transition de janvier. On va l'ouvrir dans Photoshop. On va l'ouvrir dans Photoshop. On va vous montrer ça un petit peu. Hein? Sur quel projet es-tu? N'importe quel et tous à la fois et aucun en même temps. Passionnant. Non, je suis sur...
Ça, c'est en combien de frames? 59 frames seconde pour une transition. T'es malade, Banville. T'es pas bien dans ta tête. On va aller en premier, première. It's Pergy. Salut, salut. Normalement, ça serait du hockey ce soir, mais ça me tentait pas pantoute. Pour diverses raisons de on dirait que je sais pas les jeux vidéo m'énervent tous et tous à différents degrés ces temps-ci. Pas tous là, mais j'avais pas le goût de gamer. Transition, elle était aux petites transitions là. Tu m'as pas que t'es plus là. Il devrait être quelque part ici. Il y a des semaines comme ça de gaming. Ouais, c'est ça. Je me fais des rendez-vous pour avoir une certaine stabilité, mais si ça me tente pas de gamer, je n'aurais surtout pas joué à NHL. C'est comme si tu veux vraiment avoir l'intention de te sentir comme une vraie merde à la fin de game de hockey, ben joue quand t'as pas le goût. C'est vraiment la pire chose à faire. Ah, c'est ça, ce soir, par contre, on fait des affaires le fun. Savez-vous pourquoi? Parce que on est live sur YouTube, en même temps que sur Twitch et en même temps que sur Facebook. Je pourrais peut-être en rajouter un troisième, mais ça commencerait à être un petit peu plus osé pour la bandwidth, parce qu'on a 2000 kbps pour chaque diffusion. Et non, c'est ça, forcer pour gamer, c'est pas plaisant. Pour chaque diffusion, on a 2000 kbps, et c'est intéressant ce que ça fait. Puis je pense que pour ce qui est du dessin, dans les semaines à venir, je pense que je vais faire ça. Tout ce qui est dessin, IRL, tout ça, je pense qu'on va y aller comme ça, 30 fps avec Twitch. Là, je vois un T-Max qui vient d'arriver dans mon chat. Puis là, je me dis, c'est pas vrai. Je dis, c'est pas vrai, T-Max. Tu viens pas de changer de nom encore et encore. Habituellement, je dis pas, tu sais, je vous vois là, quand vous arrivez sur mon chat. Je vous vois, mais habituellement, je vous parle pas si vous parlez pas dans le chat. Ça, je respecte ça. Puis j'apprécie les gens qui le font. Mais T-Max, là. T-Max, là, je peux pas, ça vient de me sauter aux yeux. Là. T-Max, là, il vient de changer de nom encore, là. C'est pas possible. T'as pas de style de boss, hein. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai une phase NHL, je me mets au bout. Moi, je suis dans une phase que NHL me met à bout. Je veux plus toucher au jeu, puis je me cherche un jeu. Ouais, mais je te dirais, pour vraiment éviter la rage que peut créer NHL 2018, évite tout ce qui est PVP. Va te chercher quelque chose de relax. Renoue avec Mario Bros, je sais pas, n'importe quoi, là, mais It's Pergy, moi aussi, c'est assez incroyable. NHL, là, sincèrement, c'est un jeu qui est addictif. C'est un jeu qui est capable de te faire sentir bon et qui est aussi capable de faire l'inverse, c'est-à-dire te faire sentir comme un vrai tas de marde à la Stein. Et je te jure, écoute, tu peux faire une soirée où tu n'as pas une défaite. Hein? Puis le lendemain, là, tu reprends la même équipe avec des joueurs qui sont dans ton rang. Mais ils te battent, mes amis, là. Tu sais pas quoi, tu sais même plus quoi faire. J'adore NHL, moi aussi, j'adore. Mais maudit, on dirait que ce jeu-là, on dirait qu'il veut pas se faire aimer. Tu l'aimes, puis pète-la qu'il te fasse. Il te donne une claque dans la face. Claque! Il dit non, j'en veux pas de ton amour. Puis là, tu reviens, tu dis oui, je t'aime. Clac! Non! T'es un tas de merde! T'es poche! Tout ce que t'as fait vaut rien! Tout ce que t'as. La pratique que t'as mis, t'arrives contre un petit kid, il te bat à plat de couture! J'ai de nombreuses heures de jeu. Ouais, le 18, il est tough! Hey, mais je le dis souvent, tu sais, dans le NHL 2017, là, je finissais d'un.
1000 premières positions en competitive season. J'étais, écoute, j'avais 10% de défaite en versus. Dans le 18, là, j'ai genre 20 victoires, 15 défaites en versus. Mais là, ça compte pas. Le début, je cherchais où. Ben, oui, ça compte, là. Au début de l'année, je cherchais comment jouer à ce jeu-là. Fait que je jouais juste des versus, puis je me faisais battre tout le temps. Mais là, je suis rendu plus à 25% de défaite. Mais en competitive season, mon gars, je suis 4 millième. Je me bats contre le 6 millième. Il me plante, mon gars. C'est comme. Je n'ai été que de passage. Je sais pas ce que c'est. C'est le gameplay. C'est la façon. Tu vois que le gars, il est pas si bon que ça. Il fait tout le temps la même affaire, mais il tout. Ouais, au 17, j'étais vraiment fort. Ouais, ben moi, j'étais plus fort que là, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il me semble que c'était plus amusant. Tu sais, il me semble. C'est pas constant. Mais tu qu'est-ce que je pense, moi, le 17, ce qui se passe? Je pense qu'en NHL 18, ce qui se passe, je pense que dans NHL 2018, il y a une espèce de tirage invisible. Il y en a qui appellent ça du ice tilt ou ice, je sais pas trop. Il y a une espèce de tirage invisible qui se fait au début du match, tu sais pas. Puis ça donne des handicaps ou je sais pas trop. On dirait que c'est comme ça. Parce qu'il y a des soirs, mon gars, je suis Guy Lafleur avec une manette, là. Puis il y a d'autres soirs, on dirait que j'ai commencé à jouer la veille au jeu. C'est vraiment. C'est vraiment spécial, c'est spécial. Bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Chercher. Ah oui. Ça, je devrais avoir un. Non. C'est pas là-dedans. Ça devrait être nécessairement dans Projet Autre. C'est nécessairement dans Stream. C'est nécessairement dans Animation Non, YouTube Montage. C'est pas là. Dans Vidéo de Transition. Peut-être que je l'aurais bien. C'est Monsieur l'ours qui te porte malchance. Salut Chuck. Essayez donc vos. Ouais, je pense que ça marchait, hein, vos animations, ouais. Ah. Oui, on met ça en même place. Bon. OK. J'ai pris l'ancien. J'ai fait ça. OK. Non, tu veux juste rester noir. On va juste te coter, en fait. On va te coter. Ça, c'est quoi? C'est genre. C'est quoi ce fichier-là? C'est juste un background noir. Vous avez remarqué que j'ai pas de musique non plus. Je suis archiplate. Mettez votre musique de votre bord. C'est parce que si je mets de la musique, je peux pas diffuser sur YouTube. Je peux pas diffuser sur Facebook. Je suis plate de même, hein? T'hésites pour... lui, il fait pas de cadeaux avec Banville. Non, non, non. J'hésite pour Far Cry 5. Ah ouais? Est-tu sorti ou il est pas sorti? Far Cry 5, ou c'est un. Il est en devenir, hein? Je sais pas. Il est-tu en devenir? Hey, le chat, là. Je peux-tu l'avoir? Non. Je veux l'avoir là. Merci. Mets le chat là. Hey. Ouais.
c'est en mars. Ouais. Avez-vous vu le jeu de pirates Summit? Puis, ben, pas mal de gros streamers jouaient à ça, le jeu de pirates aujourd'hui. Seas of Pirates, je pense que c'est ça. C'est malade. Sea of Thieves. C'est malade, hein? C'est un jeu, t'es en foot soit en gang. Vous allez voir ça, Valtessan. C'est sur PC, ça va être juste sur PC. Pauvre Black Shark. Je l'attends depuis 8 mois. Mais allez voir ça, c'est juste sur PC. Je pense que sur le... On peut-tu aller le chercher sur le store? Je suis pas certain. Si... Ah, faut que tu le préachètes, hein? C'est ça? Si tu le préachètes... Close Beta. Mais, malade. C'est un jeu assez simple en tant que tel. As-tu essayé Ghost Recon? Oui. Oh, 79$! Mais ils sont malades? Il est beau, là, mais 79$! En précommande? C'est un beau jeu, là, mais on s'entend que c'est... c'est pas un triple A game avec l'histoire. C'est une mécanique de jeu. OK. Non, j'aurais vu 39$. Un excellent jeu, mais j'aurais jamais vu, tu sais. Je veux dire, c'est une carte, t'as des missions, mais il n'y a pas d'histoire, là. Je sais pas s'ils se sont forcés pour faire une histoire, mais... Xbox aussi, ouais, Xbox puis PC. Pas encore dispo, mais si je le précommande, je pense que je peux avoir accès au... Mais non, j'ai pas le budget pour... en fait, je garde mon argent pour quelque chose qui a plus de sens. Hey, Lady MP, merci pour le host. Elle a pas sonné ben, ça. Ah oui, sonne. Alarme. Ah oui, l'alarme. Il me semble que tu as une alarme. Toi, tu es supposé sonner. On est en train de tester un petit nouveau setup. Pour Ghost Recon Wildlands, je te dirais qu'il est vraiment impressionnant, Burgie, pour l'entrée de jeu. C'est-à-dire que tu commences à jouer et tu fais comme « Wow! » c'est vraiment un jeu que, tu sais, ils ont fait une espèce de réplique de la Colombie. Tu te promènes, tu fais des missions en... C'est comme une immense map, un peu à la GTA. Tu fais des missions où est-ce que tu te promènes en auto, en hélicoptère, en avion, en moto, à pied, peu importe. Et c'est très tactique. C'est trippant, vraiment. Moi, je te dirais que les premiers 30 heures, tu vas tripper. Mais si t'es comme moi, après une trentaine d'heures de jeu, quand le jeu n'est pas fini nécessairement après 30 heures, là, ça dépend comment tu joues. Moi, je prends mon temps, fait que ça, c'est pas fini. Ben, il se passe quelque chose comme une redondance dans les missions, parce que c'est un peu tout le temps les mêmes ennemis. C'est un peu tout le temps les mêmes missions. Les maps changent, oui, mais les endroits changent, oui. La géographie du paysage change, mais ça devient tout le temps la même affaire. Tu tripes avec ton hélicoptère, t'arrêtes un convoi, tu veux tes points. Ça revient tout le temps un peu à la même affaire. Puis moi, je trouvais ça redondant. J'adore ce jeu, mais tu dois jouer en équipe. Ghost Recon? Tu parles de Ghost Recon, Valtessa? Ouais, tu dois jouer en équipe. Puis quand t'es tout seul, c'est un peu weird ce qui se passe quand t'es avec, mettons, le AI. Parce que le AI, il va toujours bien se placer pour le 4v4. Il y a aussi. Ouais, c'est ça, mais il est lent un peu, tu sais. Si tu compares à d'autres 4v4.
Tu sais, je te dirais que c'est pas le jeu du siècle, sauf que si tu veux triper dans une ambiance sud-américaine à faire, écoute, je dirais, les couchers de soleil sont époustouflants dans ce jeu-là. C'est-à-dire, t'as le goût de t'arrêter, faire prendre un pique-nique avec ton perso là, des fois là. Tu sais, c'est tellement c'est cool là. Tu sais. Puis en même temps, je te dirais, dans tout ce mélange-là de redondance dans le jeu. Je trouvais que ce qui m'énervait aussi, c'était le fait qu'on était des Américains en train de tuer sans vraiment de conséquences des gens dans leur propre pays. T'sais. Ça, t'sais, je veux dire, habituellement, ça m'énerve pas. La trame d'un, t'sais, la trame, bon, on est des Américains, on s'en va tuer des Chinois pour sauver le monde. Mais là. De chasser des caïds de la drogue en tant qu'Américain dans un pays sud-américain, en clandestin, tu te bats contre l'armée de la place, tu te bats contre tous qui sont supposément corrompus. Mais c'est quoi ça veut dire, ça? Je veux dire, dans l'histoire, là, c'est dans le fond, c'est que tu déstabilises tu déstabilises les caïds de la drogue pour pouvoir toi-même prendre possession de cette vente-là, parce que c'est pas vrai que les paysans vont arrêter de faire pousser de la feuille de coca. Fait que t'es un peu dans la. Tu te retrouves un peu dans le fond, comme l'espèce de. Dans le fond, t'es le méchant, tu sais. Puis moi, ça m'énervait. Ça m'énerve dans ce jeu-là. Je suis le méchant. C'est moi le pas bon. C'est moi qui capture le monde, puis qui torture, puis qui tue dans ce jeu-là, dans Wildlands. C'est spécial. C'est un des premiers jeux qui me fait sentir cheap en le jouant, genre. Vraiment comme, ok, je suis pas bon. Je dis ça, puis la télésérie, comment ça s'appelle? La télésérie qu'ils ont annulée là, à cause des scandales. Le gars qui. Voyons, Kevin Spacey, là, qui joue le président des Américains, là. Ça, puis à regarder cette télésérie-là, puis. Te mettre à aimer le personnage principal qui, dans le fond, est un crotté. Ça, je me sentais mal aussi de le regarder. Mais ça, c'est moi. Mais. On va enlever ça. On va essayer d'avoir une transition. Puis on va l'exporter, tiens. Juste pour dire qu'on fait de quoi? Gee boy, comment ça va? Mon Dieu, mais c'est donc bien des sujets importants. Je te connais, Gee boy. Sûr que dans ta tête, ça sortait comme ça. Je sais pas comment acheter comme jeu. Ben, achète-toi rien, joue à Fortnite si t'es capable de faire du PVP. C'est un PS4, hein, Bergy? Comment ça va, mon G-Boy? Comment ça feel? How do you feel? How do you feel? Ah, PUBG, ouais, c'est vrai, PUBG. PUBG qui est pas très cher. Fortnite. Mais Fortnite, c'est gratuit, bon sang. Allez-y, full pin si ça vous amuse. D'ailleurs, si on se rend plus loin dans la soirée, là, j'étais en train de tester, de jouer sur ma PS4 avec le Steam Controller. L'avantage du Steam Controller, c'est que, il y a une gâchette en arrière, comme un peu les trucs modifiés, là, les gâchettes modifiées, d'essayer, dans le fond, jouer PS4 Steam Controller muni de ma souris. Try that. On va essayer ça sans joke. Salut, jeune homme. Salut, Hamburglar. Comment ça va? Xbox One, ok. Je sais plus quel joueur aller chercher pour moi. Je suis quasiment boosté au max. Va voir, amuse-toi, G-Boy. Il y a des joueurs super le fun et avec des synergies complètement hallucinantes dans les joueurs internationaux. Va dans collection, va dans joueurs internationaux, puis regarde tous les joueurs. Ils ont 88, 87. 86 d'overall, mais check leur vitesse, mon gars. Puis leur synergie. Des fois, c'est deux TN avec un S, deux S avec deux A.
les synergies sont hallucinantes. Tu regardes sur le marché, les joueurs, ils valent... je te dirais que j'en ai vu un à 22 000, 23 000, genre. Mais habituellement, c'est 8 000, 9 000 chaque. Fais-toi une quatrième ligne de gars qui booste, qui va te permettre de déplacer d'autres cartes, qui va te permettre d'avoir la synergie Silky Smooth puis Thread the Needle. Va voir ces joueurs-là, tu vas être impressionné. Au Canada, en Tchécoslovaquie, États-Unis, va voir ces joueurs-là. Là. Fais le tour, tu vas voir. Il y a vraiment des cartes impressionnantes. C'est ça, ils ont 87 de moyenne, d'overall, OK? OK, des fois, ça fait des gars qui sont faciles à checker, mais ils ont 98 de vitesse. Quand t'arrives, t'embarques sur la ligne 3, là, mais tu sais, puis des fois, ils ont des bons face-off aussi. T'embarques sur la quatrième ligne, puis tu mets ces joueurs-là, c'est comme fou! Tu pensais que j'étais rapide avec mon Robitaille ou mon Bossy? Check le bien aller, lui, fou! J'ai déjà SNL et LL de Unlocky. Mon deuxième goaler est un international. Ah, bah, OK. Oh. Moi, j'ai pas LL. C'est trop compliqué, LL, de débloquer ça aussi. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook ce soir, de laisser des commentaires, des suggestions, juste un halo. Ça me fait plaisir. On va essayer ça. On essaie un triple stream ce soir. Triple! Tu as changé tes heures de stream? Un peu, oui. J'explore. La façon que je stream aussi. Hamburglar, tu vois, là, je suis complètement en IRL, ce que je fais de plus en plus, du IRL. Et même, je lisais des articles que il y a même des créatifs qui se mettent en IRL parce que c'est plus cool. Pas au niveau de c'est plus cool, hey man! Non, ben, il y a beaucoup de gens qui cherchent le IRL, mais eux, ils se retrouvent à s'enlever la pression de performer dans leur stream. Fait qu'ils sont en IRL, mais ils font de l'art. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, je peux très bien mixer les deux. Tu sais, si, mettons, je suis en coloration, ancrage, et là, il faut que ça regole, je me mettrai en créatif. Mais si, mettons, je suis comme... Ben là, tu sais, à soir, je pourrais faire du dessin. J'en ai en masse à faire pour tout le reste de la semaine, d'ailleurs. Mais là, tu vois, ce soir, je me suis juste mis en IRL. Mais je pourrais mettre en IRL puis croquiller, faire des sketchs, là, des trucs comme ça. Valtessan, je joue Squad puis j'ai pas de fun. T'as pas de fun en PUBG ou Fortnite, ouais? Fortnite, c'est répétitif. Oui, c'est un jeu répétitif, mais pas plus répétitif qu'une game de hockey, par contre. Ouais, en gang, ces jeux-là sont plus intéressants. C'est parce que moi, ce que j'aime pas en solo dans des BR, là, dans des Battle Royale, là. Hey, Bergie! On sait plus quoi dire, hein? Bergie cherche un jeu, tout le monde. Gears of War, t'as une Xbox. S'il y a un bon jeu, s'il y a quand même un bon jeu sur que tu peux juste jouer sur Xbox, sort Gears of War. NHL me tanne pas. Moi non plus. Mais NHL me tombe ses nerfs, c'est pas pareil. Mais je m'en tanne pas. En tout cas, c'est weird. 18 est juste dégueulasse. Ouais. Puis il paraît qu'il en sorte un ou deux ans à cette heure. Ouvre-toi une bière. J'en ai plus. J'en ai pas. J'ai StarCraft 2. Ça apprend à... Ça apprend à sacrer, si vous voulez jouer contre moi. Non, j'ai donné StarCraft 2. Je l'ai même en version boîte. Vous allez me dire, c'est qui achète ce jeu PC avec une boîte. Mais écoute, quand je l'ai acheté, c'est magnifique, là. C'est magnifique. Quand j'ai acheté StarCraft 2, là, ça se vendait encore beaucoup, beaucoup, les jeux boîtes. Checkez ça, mon gars. Centerfold, la Chicks. On voit c'est qui les vrais. Ouais, hein? Avec le petit velcro. J'ai plus les add-ons. J'ai lâché là, de suivre ça. Là. Je trouve ça, c'est un jeu que tu peux stresser au bout, là. En ligne, là. J'étais rendu gold. Pas plus. Près de platine, c'est ça? Gold, après ça, c'est platine. J'étais proche de platine.
Heart of Swarm. Ah, ça, je l'ai pas en boîte. Mais je pense que j'ai une extension, c'est tout. Genre, quand il a donné. Quand ils ont fait ah, fuck off, le monde, on la donne celle-là, là, elle est trop vieille, l'extension. Là. Mais non, c'est ça. Ok. C'est le plus long save as que vous avez jamais vu sur un stream, mon gars. En 2018. Non, c'est pas en... Je veux pas... Mais ça en move. Tu peux-tu? Ah ouais. Comment? T'es capable. Quick time. La move. Pas d'audio. Là, mets-moi pas ça. Ouais, ok, explore. Ça a pris 6 secondes. Je vais vous résumer tous mes jeux. Ok, résume-nous tous tes jeux, puis on va t'aiguiller. Avez-vous déjà joué à Diablo? Oui, ça a l'air que tu peux pas te rendre jusqu'au bout du jeu. C'est faux. C'est faux, G-Boy. C'est juste que le jeu te refait recommencer. C'est pas la même affaire. Et ça, ça me rend dingue. Je suis rendu... C'est comme Destiny. Tu peux jamais finir Destiny. Ben non, ils t'ont fait recommencer tout le temps la même affaire. Ils ont même sorti une patch. Tu refais pas la même affaire. Non. Tu refais la map. Si tu avais fait la map, mettons, dans ce sens-là, puis il y avait le boss, là, la patch, que le add-on, tu reprends la map, puis tu as fait dans ce sens-là, puis là, il y a le boss. C'est comme... c'est... Aïe, aïe. Diablo, c'est ça. Tu finis le jeu dans une difficulté, tu peux l'élever, puis tu recommences. Je veux dire... Je suis rendu diamant plusieurs fois. Ah ouais, StarCraft 2, t'es fort. T'es très fort. Je joue à Path of Exile, il y a 10 hacks et c'est long, hein, s'il vous plaît, si tu tues tous les monstres. J'ai fini Path of Exile, mais encore là, tu vois, c'est ça, c'est vraiment trippant faire Path of Exile. Mais moi je suis pas capable de recommencer. Il rajoute des stances. Tu es dans la map, puis là, il y a une stance qui apparaît, puis tu peux faire ce petit mini donjon qui apparaît là, ce qui fait des différences, mais c'est pas assez. C'est. Tu sais, je veux dire. C'est pas. Un Rocket League, pas assez de contenu trop répétitif. Ben, c'est. Moi, de toute façon, j'aime pas les jeux de soccer, anyway. Puis j'aime pas les jeux de char, fait que ça va pas bien. Fortnite, trop répétitif, manque de mode de jeu. Ben, Call of Duty World War II, t'as hein, des modes de jeu? Dans Call of Duty World War II. Je crois qu'il y en avait 6 jadis. Ah ben, je dois avoir fait les 6 de bord. Parce que c'est moi, j'ai joué jadis. Il y a 2 ans. Ça, c'est jadis, Internet, ça. OK, on s'en va essayer de mettre notre nouveau Stinger. Parce que tout ce que j'ai fait à l'ordinateur, en fait, c'était d'avoir un Stinger. Est-ce que ça va fonctionner? Aucune idée. Out using transition. Move. Cut. Swings. Show advanced setting. Convert. Let's go, les bleus. Cut, c'est fini pour moi. Bon. T'as trop joué. Peut-être que t'es dû pour aller regarder Netflix. Pourquoi? Pourquoi il l'a? Il a screw. Savez-vous quoi? Je pense que je vais mettre une transition
Transition standard. Tiens, comment c'est beau, ça. Hein? C'est-tu beau, une belle petite transition niaiseuse de même? Pay to win. What the fuck, pay to win? Call of Duty World War II, ça, tu débloques assez vite les guns. J'ai pas dépensé une scène, moi, dans Call of Duty World War II. À part acheter le jeu. En plus, j'étais allé porter des vieux jeux. J'étais allé porter Call of Duty Infinite Warfare. J'étais allé porter. Ah, j'étais allé porter ma copie de NHL 2018 que je voulais faire tirer, mais finalement, je l'ai pas fait tirer. J'étais allé porter un autre jeu aussi. Je pense que c'était Call of Duty Ghost. Puis il m'a coûté 10$ mon World War II. Code est trop facile, selon moi, en étant un fan fini de FPS. Ben là, ça dépend qui tu rencontres. Trop facile pour upgrader? Je sais pas. Trop facile. Trop facile. Tu te bats contre les autres en ligne. Ouais, je sais pas pour World War II. Ou sinon, t'es sur console. Minecraft. Je parle plus le recoil sur les armes. Ben, t'as des armes qui sont carrément des lasers. Ça, c'est clair. Mais si je me fie à BO3 Infinite, t'as plus de 1000 heures de jeu à tous les Battlefields. Sauf BF1. Mais c'était drôle parce que j'ai joué beaucoup à Call of Duty World War II. Je suis retourné à BF1 puis j'avais l'impression d'avoir des bras mous. Parce que dans Battlefield World War II, ton gun il est solide dans tes mains. Puis tu sais, quand tu te promènes, c'est. Il y a du recoil, mais pas beaucoup. Tu arrives dans Battlefield, là. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir vraiment comme une espèce de catin en chiffon. Ça m'a fait vraiment un étrange feeling. Ouais. C'est ça. C'est beau, hein? C'est une madame. On cherchait la grosse madame de Harry Potter aujourd'hui. Je suis au level 82 sur la One. Ah ouais? Ben, Battlefield, Bergie! Il y a bien du monde qui joue au 4 en ce moment. Hein? Je vois ça, là. Le 4 revient en force. C'est quelque chose, hein, pareil. Là. Il est pas mal fait, le 4. Il est super bien fait. C'est juste... Je pense que c'est ça. C'est ça, la fin. C'est que c'est des jeux, OK? L'air, comment dire... La technologie... de ces jeux-là, comment ça se joue? On est comme un âge d'or de ce type de jeu-là. C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire dans les graphiques, dans la façon qu'on joue à ça. Okay? Donc, je veux dire, quand tu rembarques sur Battlefield 4, la grosse différence, c'est l'ambiance, puis les armes, puis les véhicules. Je veux dire, Battlefield 1 est Il y a une petite coche de plus graphique, vraiment intéressante. Mais si ce que tu veux, dans le fond, c'est l'ambiance. Tu vas-tu aller te battre en 2020, en 1914 avec des armes pas possibles? Ou, Battlefield 1, le 4, puis le 3. Le 3, il ressemble beaucoup, mais ça fait longtemps que j'ai joué au 3. Battlefield... Hardline, jamais. Non, il paraît qu'il était poche.
C'est comme tout le monde s'est dit, ah, il est poche. Puis là, personne ne l'a acheté. Global Offensive. Ouais, plusieurs joueurs ils jouent présentement. Ouais, c'est ça. Je les ai. Puis en plus, ils donnaient toutes les add-ons à un moment donné sur PS4. Ils donnaient. Tu peux avoir toutes les add-ons de toutes les cartes sur PS4. Puis les PC aussi, je pense. C'est pas sûr. Ouais. Il est donné, Barnac. Si tu les as pris, il est donné, c'était gratuit. D'ailleurs, sur le stream demain, je sais pas jusqu'à quelle heure qu'on va streamer aujourd'hui, mais sur le stream demain, si vous avez le goût d'être là entre 9-10 et 3h l'après-midi, on va finir les illustrations pour les quatre bandes dessinées de la Saint-Pitote. Donc, c'est coloration seulement qui reste à faire. Ça ne sera pas très long, peut-être une heure et quart en streamant. Puis, on va aussi corriger un croquis d'une bande d'une illustration que j'ai à faire pour... d'une illustration que j'ai à faire pour... pour l'agenda du Syndicat de Champlain qui va sortir. Donc, il faut que je finisse ça à fin janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. On va faire la deuxième version du croquis. J'ai reçu les corrections, donc on va corriger ça. Puis, je vais essayer de partir en gaming quelque part dans la journée. Ouais. Tu sais, il y en a qui jouent Never Stop à Fortnite, d'autres R6 ou bien NHL. Ouais. Je suis en train de me demander. Attends, j'ai fait la compétition de Battlefield et c'est malade la gestion entre les gunships, tanks et c'est beaucoup de préparation si tu te pratiques comme du sport. Ah ouais. Je pense que mon problème, c'est que j'ai pas une bonne gang de gaming. Ouais, des fois, faut que tu trouves du nouveau monde. Hein? Ça peut arriver, ça. T'sais, des fois, je me tanne Val-te-san. Non, mais tu vois, on a eu du fun. Val-te-san, Black Shark, qui était là aussi? Phoenix. On a eu du fun à jouer une soirée à Fortnite, mais j'ai pas l'impression que je vais rejouer tout le temps à ça. Mais tu vois, vendredi soir, 21h, on se prépare une soirée de Call of Duty World War II mode zombie sur la chaîne, ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le petit bonhomme est en dessous. C'est tellement triste. On va te mettre en haut. Give bot. On va mettre en haut de tout ça, là. On se fait toujours une escouade de 4-5 à Battlefield et la chimie nous fait gagner la plupart de nos games. Jouer stratégiquement en communiquant avec le micro, ça fait de belles soirées de gaming. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Mais j'ai des amis avec qui on se coordonne. Tu sais, Val-te-san, on se coordonne très bien. C'est juste qu'on en a un qui s'appelle Black Shark qui, on lui dit « Hey, mets-toi en telle position puis snipe. » OK. Il prend un Jeep, s'en va exactement à l'opposé d'où est-ce qu'on s'est mis puis il se met au shotgun puis il se met à tirer en arrière du monde. Là, on le regarde, puis on fait « Ok, t'es fatigué, Black Shark? » Il fait « Ouais. » Mais tu sais, on a du fun, pareil. On commence à savoir à quel point est-ce qu'on peut le diriger. Non, mais c'est ça. Oui, la gang est importante, mais j'ai l'impression que moi, ce qu'il me faut présentement, c'est... ça serait d'avoir un jeu que je joue peut-être tout seul ou en gang, je sais pas, c'est à voir, ou peut-être avec des amis aux alentours, mais que je joue souvent pour en faire comme une spécialité. Moi, j'ai l'impression que pour mon stream, ça prendrait ça. Je suis complètement éparpillé en termes de gaming présentement, puis pour Twitch, c'est pas à moins d'être tout le temps en train de gamer, puis d'être tout le temps en train de découvrir, là, les gens, ils font comme « Ah, ça, c'est intéressant, ce gars-là sur Twitch découvre plein de jeux. » Moi, non. Moi, je dessine. Fait qu'il faudrait peut-être que le monde fasse... Je dessine, puis il est écœurant dans le jeu, là. Quelque chose dans le genre. Faudrait que je me fasse une spécialité de gaming. Mais il faut vraiment que j'aie un jeu que je puisse aller à fond dedans, puis qu'après 30 heures, ce soit pas répétitif, tu sais. C'est à voir.
Il y a toujours ce genre de gars n'importe où. Ouais, surtout quand il comprend pas le français ni l'anglais, là, c'est comme. Ok, lui, il est dans notre équipe. Mario Bros 3. Ouais, mais j'ai pensé à du speedrunning, à du speedrun. Mais je sais pas si j'ai le cerveau pour ça, genre. Imokyo, thank you for the host. I know you are sleeping right now, but thank you for the host. Ouais. Mais peut-être qu'une spécialité en IRL serait bien aussi. Hey, check ça, man. Le gars, il dessine. Puis il est capable d'être là dans la vraie vie, man. In real life, man. Super bon, man. Speedrun in real life. Il te speedrun le real life, là, mon ami. T'auras jamais vu ça, man. Parlant de dessin, peux-tu faire un style de logo, mettons, je sais que tu es payant, mettons, je veux un exemple parce que j'aimerais bien ça avoir ma propre gamer pick sur Xbox. T'étais à bonne place, Bergy. Salut Goofy, comment ça va? T'étais à bonne place, Bergy, sais-tu pourquoi? Parce que, ici, parce que ici, ça peut ne pas être cher, ton dessin pour ton logo de ton avatar. Moi, j'appelle ça un avatar, mettons, pour Xbox ou PS4, peu importe. Ça peut ne pas être pas cher, ça, mais il y a une façon de faire ça aussi. C'est, par exemple, de devenir sub, de te ramasser 12 000 points, puis d'acheter un avatar quand je fais ça le vendredi, je vends 3 avatars à 12 000 points. Les points par ville, qu'est-ce que c'est? C'est que si tu es sub Twitch, t'en fais x 3. C'est-à-dire, aux 10 minutes, t'en gagnes 7 sur mon stream. Si tu es Twitch sub, ben, t'en gagnes 21. Et j'en donne par-ci par-là des points comme ça. Tu peux en faire en faisant des quests, là, tu peux, genre, en sharing le link sur les réseaux sociaux. Tu peux faire des quests pour en avoir plus. Mais ça se ramasse assez facilement, 12 000, si tu te tiens ici, puis tu flânes sur le site. Tu peux même farmer, comme on a un spécialiste ici, Albert, qui est là en ce moment. C'est un spécialiste farmer, mais c'est pas un farmer qui dépense ses points. C'est un farmer qui aime... Il est un collectionneur. Mais il est tout le temps dans le chat. Fait que je sais pas si ça fonctionne dans Stream Element, mais il est tout le temps dans le chat, il est tout le temps là. Fait que je présume qu'il fait des points, parce que c'est le top. C'est le top farmer. Bref, tu peux être là souvent dans le chat quand je suis là ou laisser ton stream runner, puis c'est moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait des viewers, même, tu sais, je sais que t'es là, des fois t'es pas là, tu sais, du monde qui sont in and out de leur bureau, des trucs comme ça. Bref, tu peux, je te permets de farmer. Tu peux même faire comme Yves. Yves, des fois, il y a deux comptes. Ouais, bref, ça se ramasse assez facilement, c'est ça que je veux dire. Sinon, tu peux faire un don. Je vais donner 750 points à chaque fois, à chaque tranche de 1$. Donc, fais le calcul pour 12 000 points. Mais, si t'es sub, je te fais un avatar que tu peux utiliser. Quelqu'un peut envoyer son avatar. Quelqu'un peut balancer son avatar. Si t'es sub, tu peux acheter un de ces avatars-là. J'en laisse 3 de libre à chaque semaine. D'ailleurs, je devrais en mettre un de libre là pour que quelqu'un puisse en acheter un avant vendredi. Mais dès qu'ils sont libres, c'est premier arrivé, premier servi. Vous achetez ça, je fais ça le vendredi, mettons de midi à 3h à peu près. Et après ça, je ferme boutique. Puis ça en fait 3 pour la semaine. J'ai fait ça depuis le début de l'année. Donc, puis ça peut être ce que tu veux, dans le fond. Fait que ça, c'est intéressant. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Bergy. Donc, tu sais, ça te coûte pas 30$. Allez, bon, voilà. Ça te coûte pas 40, ça coûte pas 50, ça te coûte. Ça peut ne te coûter qu'un petit Twitch de sub, là. Un petit sub de Twitch. Si t'es là assez souvent. Les points après ça s'accumulent quand t'es là. Fait que ça, c'est la manière la moins chère d'avoir un avatar. Malade. Ça vaut cher, là. T'es à l'école. Ben, regarde, c'est pas grave, c'est justement. Regarde, je vais en ouvrir un, mais là, t'as pas les points, là. Je sais pas combien de points t'as, mais t'as probablement pas les points. Je les vends. Tu sais, je veux dire, tu peux.
par exemple, aller sur ma boutique entre midi et 15h, puis en acheter un, puis vu que t'es pas là, je vais faire comme, OK, il est pas là, on va le faire la semaine prochaine, mais je te fais la semaine prochaine. Ça te donnera le temps de... T'sais. En fait, c'est que, habituellement, à ce temps-ci, mercredi, j'en ai mis un en ligne, un avatar. On pourrait même mettre en mettre deux, puis j'en ouvrirai un autre espace d'avatar, là, une autre commission possible. Tiens, regarde, je vais en laisser deux. Fait que si... je vais en ouvrir deux. Voilà. Enable. Changer. J'en mets deux. Fait que si les gens qui sont intéressés d'avoir un update, parce que c'est un update ou un avatar, un nouvel avatar. Allez. Save. En tout cas, là, pour l'instant, il y en a un disponible. Faites point d'exclamation store pour avoir le lien. Comment on va ce point-là? Point d'exclamation POINTS. D'ailleurs, ceux qui sont sur YouTube ou sur Facebook, toutes ces commandes-là ne marchent que sur Twitch. Donc, vous avez, si vous voyez ça en ce moment, tiens, regarde, je devrais m'habituer d'ailleurs à mettre... à mettre là en commentaire le lien Twitch en bas de mon vidéo. Ça, c'est assez important parce que l'action, là, c'est sur Twitch. Hein. Toute l'interactivité, là, c'est sur Twitch. On fait de triple streaming à soir. T'as juste 42? It's Bergy! Eh ben, on va t'en rajouter. Tiens, regarde, ça, c'est pour... on va faire un petit bonus de... Bonus all, 200. Tiens. Fait que je fais des affaires de même. Est-ce que ça va passer? Oh yeah, on est une quinzaine de users. Tabernache! Tabernache! Hamburglar aussi, qui est pas là. Ben, tu sais, vous êtes tous des gars de soir. Vous étiez là sur mon stream plus souvent le soir, vous autres. Fait que ça se peut que vous n'ayez pas accumulé beaucoup de choses depuis quelques mois. Puis tu vois, regarde, même G-Boy, il est presque à la moitié de ça. Et lui, il est là un petit peu plus souvent. C'est quand même 6000 points. Si il était sub, Twitch sub, ben écoute, il y aurait 18 000 points. Il pourrait même se commander un... Regardez, il y a même des bandes dessinées que vous pouvez commander que j'envoie directement par la poste. Il y a des albums qui coûtent un peu plus cher. Il y a des bandes dessinées imprimées. D'ailleurs, celle de ça s'en vient cette semaine. Celle du mois de janvier s'en vient. Je vais aller la chercher. Elle va être probablement prête demain ou après-demain. Mais je vais envoyer ça vendredi, en tout cas, c'est sûr. Une impression de bande dessinée, un format carte. Je choisis une bande dessinée par mois. Je l'envoie par la poste. Gratuit! Gratuit! Au Canada ou aux États-Unis seulement. Ça fait 30 ans que je ne suis pas venu. Je travaille le jour. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai rajouté des streams de soir. J'avais commencé avant Noël. Je faisais des streams de matin. De 4h30 le matin à 7h. Trois fois semaine. Mais j'ai réalisé... j'ai réalisé que je prenais le fond du bar, là. Tous ceux qui avaient vieilli et vieilli. Qui avaient veillé. Tous ceux qui étaient pas endormis, ben, ils me hostaient. J'avais des gros hosts. Mais le monde allait se coucher, tu sais. Le monde était là. Hey man, je suis dans mon lit, là. J'ai fini de gamer, là. J'étais avec Space Pocket toute la nuit, là. Mais là, je suis fatigué, là. Puis, tu sais, ça, toutes les fins de show de nuit, ils venaient me voir. Puis, c'était très drôle, mais souvent, on n'était pas beaucoup. Fait que là, je me suis dit, hey, le monde, ça écoute Twitch le soir, là, tranquille, relax. Là, ça, vers minuit, ils vont comme le monde. Vers 11h, 11h30, vous allez commencer à faire, bon, je travaille demain, vous allez aller vous coucher. Mais non, c'est ça, un stream là, de 9h à 11h, là, pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui est bien. Le sub serait intéressant, mais par contre, c'est difficile pour les disponibilités. Un host te donne-tu des points? Je crois que oui. Je vais aller voir ça. Il y a des affaires automatiques qui donnent des points. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui donne des points? Vous avez un subscribe. Quand vous subscribez par Twitch, hein, je ne dis pas web subscribe. Il y a deux façons de souscrire à mon site. J'ai le web.
Merci Bernie pour le host. J'ai mon web sub qui est seulement 2,50 canadien. Là, on parle à faire. Salut Madstrix, il y a mon web sub qui est seulement 2,50 canadien et qui te permet d'avoir accès à toutes les animations générales du stream et éventuellement avec le, avec 12 000 points, tu peux acheter ton propre avatar et le faire fonctionner. Mais le Twitch sub, il te donne 2000 points direct quand tu subs. Quand tu fais un host, ça te donne 50 points. Quand tu follow, ça te donne 50 points. Puis quand tu donnes 100 cheers, c'est 750 points, c'est la même affaire que les... Hello! Ouais, c'est ça. Hello! Voilà. Salut Yves! Salut Leap Man! He's watching while you sleep. Has been watching you while you sleep. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Leap Man? Comment t'arrives à marquer quelque chose comme ça? Il n'y a même pas de 2 points. Comment tu fais ça? Je suis intrigué. Ouais. Ah, ok, c'est juste un. C'est juste un message directement à moi. Tu mets ME, je pense, devant ça. ME. Ouais. En tout cas, ça, faites le tour. Allez voir en bas qu'est-ce qui se passe dans les informations. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour ces infos-là, dites-moi-le, puis je vous en parlerai. Ouais. Comment on fait? Aha. On fait quoi? Comment on fait quoi? Lipman has left the building. Tu t'amuses bien, Lipman? Me teste. Ah, je pense que c'est... ouais, c'est slash... Oups. Slash, l'autre bord. Ou backslash. Slash ME, espace. Moi, ouais, c'est ça. Tu peux te auto-flatter comme G-Boy. Il s'auto-flatte. Ou te faire une action. Sort des années 90, c'est vrai, hein? Elle est plus jeune, hein? Kim Basinger. C'est ça. It's Bergie cherche un nouveau jeu. Ouais. J'aime bien parce que t'en cherches peut-être pas juste un, hein? La belle erreur ici, avec un X à jeu. Mais il dit un, ouais. Il en cherche plusieurs à la fois. je savais que ça allait faire réagir les gens qui ont connu Kim Basinger, qui était probablement un de mes croches à 12-13 ans. Wow! Comment ça s'appelait son film, là, où est-ce qu'elle était bien connue, là? Est-ce qu'elle décroisait les jambes, puis elle les recroisait? Basic Instinct? Quelque chose, là? Puis que là, on voyait de quoi? C'est Kim Basinger. Mais bref. Te conseille Assassin's Creed. Ah oui, G-Boy. Oui, ça c'est une bonne idée. En plus, il est en spécial sur le PS4 Store en ce moment, je pense. Killer Instinct. Basic Instincts. Killer Instinct? Basic Instinct, c'est pas Sharon Stone, ça? On est-tu... Je sais pas. Je sais plus, là. Attends. Kim Basinger. C'est comme un nom qui est popé dans ma tête en faisant la phrase. Kim Basinger, elle a joué dans quoi? Elle joue dans Batman. 50 nuances. Plus sombre. Ah, ok, elle a joué dans d'autres... L.A. Confidential. 9 semaines et demie. Ah, c'est ça. Je pense que je mélange mes références au bout. Ah, ouais.
L'affaire Karen, influence. Elle joue dans Wayne's World 2. Puis Sharon Stone. Je pense que vous l'avez. Leapman. Leapman, t'es vraiment dedans ce soir. Dans mon temps à Noël, on recevait une orange comme cadeau. Sharon Stone. Elle est... C'est vrai, elle a quasiment l'âge de ma mère. Elle est née en 58. Elle pourrait être ma mère. Et la grand-mère de G-Boy. Ah, c'est elle. Killer Instinct. Ouais. Basic Instinct. C'est pas Killer Instinct, c'est Basic Instinct. Il y a même eu un 2. Il n'a probablement pas marché, j'en avais jamais entendu parler. Total Recall, la version 90. Basic Instinct 92. Je me trompais pas sur le nom du film. Ça va, Marvin? C'est les Cartiennes. It's Bergie. À l'école que je vais présentement, il y avait une secrétaire qui tournait des films porno et elle a été kickée out et a été en cours, je crois, pour poursuivre la commission scolaire. Ouais, ouais, ah ouais, c'est dans ton coin, ça. Je pense que j'en avais entendu parler. Ça fait un an ou deux de ça, non? Mais c'était pas une prof? Bon, écoute, je peux même me tromper de nom d'actrice, fait que ce soit une prof ou une secrétaire, là, je ne sais plus. Alors, Sharon Stone a joué Catwoman aussi. Wow! Wow! Incroyable. Incroyable. Elle a l'âge de ma mère! Oui! C'est ça que je te dis. Moi, c'est à peu près ça. De un ou deux ans de différence. Si la tomate est un fruit, est-ce qu'on peut considérer le ketchup comme un smoothie? Ben, non. Pourquoi? La raison, c'est que le vinaigre, il n'y en a pas dans les smoothies normales. Cartienne, je repensais à ça. Sais-tu pourquoi? Je repensais à ça. Là. Qu'est-ce que tu es mieux de faire quand tu commences comme graphiste? Je sais que tu veux donner tes services un peu moins chers. Est-ce que tu me parles en privé, là? Non, OK, tu me parles directement à moi, mais pas en privé. Je sais que tu préfères donner tes services un peu moins chers parce que tu commences, puis tu aimes ça de pratiquer, puis tu sens que, bon, peut-être que tu donnes un peu trop d'efforts pour le résultat, fait que tu veux pas faire payer ton client trop cher pour quelque chose qui mettons, t'es pas à l'aise. Moi, je comprends ça parce que je le fais encore dans des projets avec des outils que je ne suis pas habitué. Mais, je te dirais, charge à l'heure pareil. Sais-tu pourquoi? OK? Il y a deux raisons. Il y en a peut-être juste une, mais c'est pas grave. On va dire qu'il y en a deux. On va essayer d'en trouver une autre. Si la première est bonne, je vais être mêlé. Mais c'est pas grave. La raison principale, pourquoi c'est important de charger à l'heure quand même si tu veux charger pas cher parce que tu pratiques, c'est que tu peux charger, mettons, salaire minimum. Tu charges 12$. OK? Tu travailles 3 heures, mais tu dis à ton client, mais je me suis entraîné, fait que je te charge juste 1 heure. OK? Fait que là, tu dis, ça coûte 12$. Mais t'es clair avec lui. T'as travaillé 3-4 heures là-dessus, OK, mettons. Puis, ben, tu considères que t'as 2 heures de training pour comprendre un peu ce que tu fais. Puis tu y charges 1 heure. Pourquoi? Parce que quand ça va être le temps, c'est faux. Explique-nous pourquoi, Lisburgie. Quand ça va être le temps de charger comme du monde, 11h25, on s'en fout, là, j'arrondis. En passant au sujet de ce que je suis en train de dire, de mon monologue présentement, n'est pas le taux horaire du salaire minimum. OK? Il faut... faut. OK. OK. Donc, ce que je dis, c'est que quand ça va être le temps de charger comme du monde, tu vas avoir beaucoup plus de facilité de charger un 2 heures bien travaillé où tu te sens rapide, efficace et bon dans ce que tu fais. Mais tu te dis, mettons, là, ouais, c'est ça, c'est 14$ de l'heure. Tu travailles 2 heures, ça t'en fait 28, puis tu es plus à l'aise de charger ça à ton client. Parce que si, mettons, et parce que l'inverse, si, mettons, tu dis, ah, donne-moi 5$ pour un logo, ça ne me dérange pas.
Quand le gars va t'arriver puis il va te dire j'ai besoin d'un autre logo, tu vas avoir plus de difficultés à dire au gars ah, mais là c'est plus 5 piastres, c'est 25. Ah ouais, ok, parce que c'était 5 piastres. Mais là j'en prendrais 3. Moi, mais c'est pas 15 là. C'est 15. Ah ouais? Ben oui. Fait que là, c'est pour ça que je te disais, pour les prochains, là, charge de l'heure, mais calcule. Tu vas faire ça, moi c'est ça, mais calcule tes heures. Ça, c'est une des affaires, tu vas voir en graphisme. Apprends à estimer tout le temps combien de temps ça te prend. Et ça, c'est à force d'en le faire que tu deviens meilleur. Mais c'est hyper important parce que, tu vois, moi aujourd'hui, là, je charge un taux horaire. Les gens qui m'ont fait travailler connaissent mon taux horaire, j'en parle pas en public. Par contre, peut-être que ça a l'air que ça fait en sorte que j'ai peut-être l'air de charger cher, mais c'est pas vrai. Parce que si, mettons, quelqu'un me demande un emote, puis ça me prend une demi-heure, je lui charge une demi-heure. C'est la moitié de mon taux horaire. Ça coûte vraiment pas cher. J'ai vu du monde qui chargeait à la pièce des emotes, puis j'étais moins cher qu'eux si le emote me prenait une demi-heure. T'sais. T'as pas pensé comme ça? Ouais, mais c'est l'expérience, je te dirais, que moi j'aurais fait. Tu sais, je veux dire, j'ai chargé des affaires pas d'allure, comme tu me disais, là, des 5 piastres. Moi aussi, là, quand j'ai commencé, là, gratuit même. Ça empêche pas que, à un moment donné, tu le fais parce que t'as le goût aussi, là. Puis, je veux dire, des bonnes opportunités, il peut en avoir qui te font travailler pour presque rien, mais si t'as le temps, si tu t'épuises pas à ça, puis ça t'empêche pas de manger, fais-les, parce que ça, des fois, ça peut mener à plus de boulot, puis à des belles occasions plus tard, t'sais. Mais c'est pas toujours comme ça, par contre. Bon, je dois y aller. J'ai encore des idées pour mes logos, pour mon stream, etc. Tu avais déjà lancé il y a longtemps. Je vais t'en reparler quand je vais être prêt. D'accord. D'accord, mon cher. Ben, c'est ça. Mais le principal... Merci, Mugler. Mais le principal, c'est toujours d'être clair avec le client, tu sais. C'est pour ça que quand tu sais estimer tes affaires, puis tu dis au gars, ah, ça va me prendre entre 1 heure et 2 heures... ben, si j'arrive à 45 minutes, le gars est super content. Si j'arrive à 1h30, ben, j'aurais pas dépassé le temps voulu. Puis si j'approche de 2h, qu'est-ce que je fais? Je me grouille le cul pour lui dire. Ah oui, je lui dis là, de la façon que tu as présenté, je pensais que ça allait me prendre tant de temps, mais là, je réalise que ça va me prendre tant de temps. Puis pourquoi de l'heure? C'est con, là, tu sais. Je veux dire, les gens ont souvent dans la tête, là, combien ça coûte faire un logo? Mais ils vont avoir comme un forfait. Ils vont voir un forfait dans leur tête. Moi, si je commence à charger à forfait, je vais être vraiment plus cher. Pourquoi? Parce que si je charge à forfait, je vais tout le temps mettre une marge de possibilité que ce soit plus long. Je vais me mettre cette marge là en partant dans mon forfait pour me backer. Si, mettons, j'estime ça va me prendre 1 heure ou 2, mais ça m'en prend 5 parce que le gars il est indécis, il change d'idée, moi j'ai fait une erreur, nanana. Je suis comme dans la merde, comme on dit. Mais si je charge de l'heure, puis je suis clair avec le client, je charge mon temps de l'heure, ça va prendre entre 1 heure ou 2. Si je m'entends, je suis rendu à 1h45, puis je vois qu'il y a encore 1 heure de travail que j'avais pas planifié, ben je vais contacter mon client, je vais lui dire là, il s'est passé ça risque d'être 2h30, ça fait-tu ton affaire, tu sais. Mais le plus vite possible, dès que je m'aperçois que je dépasse mon temps, tu sais, quand je vais avoir fait une demi-heure sur le truc, je vais dire au client, là, ça ne marchera pas comme je t'ai dit, tu sais, le plus vite possible, en tout cas. C'est la raison pourquoi moi, je ne charge pas à forfait. Ça peut ressembler à ça, mais c'est pas, il n'y a rien à forfait sur mon truc. Parce que, croyez-moi, si tu dis à un plombier de venir chez vous, tu dis, ah, c'est juste un robinet, combien tu charges pour ça? Puis il dit, ah, 30 piastres, je te change ton robinet. S'il passe 3 heures en dessous de ton lavabo parce qu'il y a des problèmes qu'il n'avait pas planifié, il va le regretter en salle, son 30 piastres. Oh. Mais oui, il ne te chargera pas 30 piastres, là. C'est clair. Ouais, oui, mais je devrais aller au salaire minimum et rester à ce prix aussi. À quel site tu fais ton portfolio? Ben moi, je suis abonné à Adobe. J'utilise le Adobe Portfolio. Qui est super bien faite.
Benville, ça t'est jamais arrivé que ton client pense que tu rajoutes des heures à ton temps et que ça t'a pris 30 minutes, puis tu lui dis ça t'a pris 2 heures? Ben, s'il veut tester, j'ai probablement tout enregistré sur mon stream. Ça règle cette question-là, mais non, c'est jamais arrivé qu'un client me dise t'as-tu vraiment passé 8 heures? C'est pas mon intérêt d'en rajouter. C'est pas. Puis j'ai pas de client qui oserait me faire ça, mettons. J'ai plus des. Ce qui est un peu. Et j'essaie d'éviter, c'est des gens, mettons, que je vois qui savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Puis, je te dirais que cette année, ça m'est arrivé une fois, seulement une fois, où est-ce que j'expliquais beaucoup, beaucoup, je passais beaucoup de temps sur Twitter à expliquer aux clients qu'est-ce que je faisais, puis comment je le faisais, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils me demandaient un emote, et là, il me dit, ben, j'aimerais ça que tu prennes un emote, puis que tu le mettes sur une que je puisse le mettre sur une tasse, sur un t-shirt, ou, tu sais, gros, là, une affiche. Là, je dis, ah, c'est parce que là, je t'ai fait un emote. Quand je fais des emotes, moi, j'ai fait en pixels. J'ai fait une certaine grandeur. Fait que là, je dis, genre, ça va me prendre 1 heure, le remettre en vectoriel pour que tu puisses le mettre la grandeur que tu veux. Mais là, il comprenait rien. Tu sais, en tout cas. Il a fallu que j'explique toute la façon que je procédais, que c'était très rare. Il n'y a pas personne qui m'a demandé d'avoir un logo cette année depuis que j'en fais. T'sais. T'sais, je veux dire, c'est juste une transformation, mais il faut que je la fasse pareil, il faut que je prenne 1 heure. T'sais. Ça m'est arrivé, mais il n'y a pas de clients qui m'ont dit. Un client t'a-t-il déjà fait perdre ton temps et ne te paye pas? Oui. Habituellement, ces clients-là ne font juste plus te répondre, puis tu fais comme un tabarnak. Mais oui, d'ailleurs, c'était un client que quelqu'un que je connaissais qui m'avait référé, je nomme pas de nom ici, m'avait référé, ben, en fait, la personne qui me l'a référé, c'est ben pas de sa faute, là. Me référer quelqu'un d'un restaurant aux États-Unis qui en faisait son image, puis j'ai dit, ben, c'est tentant, puis là, vu que je savais, vu que c'était en restauration, les affaires se passent vite, puis c'est pas tout le temps du monde. Qui ont le même sens des affaires que, mettons, en communication. C'est pas la même affaire. Puis j'ai très bien spécifié, regarde, je vais te faire des croquis. Puis si tu veux continuer avec ça, on continuera avec ça. Si tu veux continuer avec moi, on continuera avec ça. On travaillera ensemble. Mais les croquis, faut que tu me payes. Puis j'envoyais des croquis. Puis là, je corrigeais, je corrigeais, je corrigeais. J'ai peut-être fait 4 ou 5 heures avec lui. Puis à un moment donné, j'ai plus une nouvelle. T'sais. J'avais comme, OK. C'était plate. Mais c'est quelqu'un aux États-Unis, tu sais, fait que là, j'ai pas de recours, j'ai pas rien. On sait tous ce que c'est Manstrix. Non, c'était quelqu'un qui m'avait référé Rémi Vien, mais tu sais, je vais pas faire d'histoire avec ça parce que j'ai pas fighté. J'étais trop occupé pour fighter avec ce gars-là. Puis je voulais pas. De toute façon, c'est pas la faute à Rémi Vien. Pas en tout. C'est pas sa faute à lui. Fait que je veux dire. T'sais, je veux dire, quelqu'un pose la question à Rémi Vien sur Twitter, puis il fait juste me référer. Il dit, hey, Banville, telle personne voudrait avoir un logo. Je fais, ah, OK. C'est tout, ça se passe de même, là. Je te pète toujours. Manstrix me pète toujours. Même des fois trop. C'est tout. Non. Mais Rémi Vien m'a toujours payé en sacoche. On va y péter 2 jambes, ouais, pour 100 pièces. Juste, ok, 2, 3 orteils. Le vrai m'y vient. Ah, oh, ouais. C'est ça. Mais non, mais je veux dire, c'est pour ça que je voulais pas dire de non. C'est qu'à ça, c'est pas cette histoire-là avec Kirill m'y vient. Ça n'a aucun rapport avec lui, dans le fond, là. C'est juste que lui me l'avait référé, ce gars-là, là. Mais tu sais. Mais habituellement, c'est pas le fait qu'il vient des États-Unis qui est le problème non plus. Je veux dire, regardez, je viens de faire un logo pour Drew Farber, qui est un gars qui fait du NHL. J'ai fait des emotes pour des speedrunners aux États-Unis. J'ai fait pour un speedrunner aux États-Unis. J'en ai fait un autre pour un. J'ai même fait des emotes pour comment est-ce qu'il s'appelle? Il est même sub ici. C'est quoi son nom?
brew quelque chose. L'aware. Tu sais, je travaille avec des Américains là, tout le temps. Là. Puis c'est cool. Tu sais. Puis c'est cool en salle. Attends, je l'ai ici. C'est Breezy. Breezy. Voilà. Les joueurs de hockey. Ouais, mais je suis très connu dans la. J'ai fait des emotes pour le joueur de hockey qui a été changé d'ailleurs. Comment est-ce qu'il s'appelle? J'avais fait des emotes pour un joueur de hockey de la Ligue nationale de Tampa Bay. C'est un vrai joueur de hockey qui a un stream. J'ai fait des emotes pour lui. Sleeveless, c'était un autre, mais c'était pas lui le. Voyons. Brown. TJ Brown. JT Brown. JT Brown. Il joue pour Dallas à Star. Il jouait pour. Ouais. Joueur de hockey. Puis il vient. Non, c'est Ducks Anaheim. Il a été échangé pour les Ducks d'Anaheim. Joshua Thomas. JT Brown. J'ai fait des emotes pour son stream. Il joue Xbox. Puis. Peux-tu me dessiner des viewers? Joe Drouin? Non. Joshua Thomas Brown. C'est un joueur de 3-4e trio. C'est un power forward. Pas très grand. Ouais. JT Brown. C'est lui. J'ai fait des mots. Là, on communiquait. C'est la première fois. J'ai chargé le même prix que tout le monde. Je me suis dit, moi, faire ça, 4 fois le prix. J'ai fait, non, c'est pas bon, ça. JT Brown stream? Oui. Oui, je pourrais te donner son stream. Oui, tout à fait. Tout à fait, mon cher. JT Brown, il stream du Xbox, du NHL, des shooters, des trucs comme ça. Ben, je vois pas le voir souvent, là. C'est pas mon stream préféré. J'ai fait bien des affaires pour The Jerz aussi en masse. J'ai fait des scènes, des overlays, j'ai fait des emotes, Imokyo, j'ai fait des. Ah, Imokyo, c'est un Finlandais, mais. Terrible One aux États-Unis avec qui j'ai travaillé. Sleeveless Gaming. Kikat. John BPQKC. En tout cas, ben des affaires de même. Il est même Twitch partner. Il est même Twitch partner, le petit malus. C'est facile, là, quand t'es joueur de la Ligue nationale. Là. Puis t'as un Twitch. Twitch chat. Ouais. Tu veux que je te dessine des donations aussi? Dès que j'ai les donations, je te demande des emotes. Ben moi, Cartien, t'es capable de faire ça? Habitue-toi à faire des emotes, d'ailleurs. 6 fois. Ah, ce gars-là, c'est un joueur de 3-4e trio, mais je pense qu'il fait 1 million. C'est malade, ils sont malades. Je veux dire, c'est sérieusement, aujourd'hui, dans les nationales, là, si tu pognes ton contrat comme joueur de 3-4e trio, mon gars, achète-toi une petite maison de rien du tout, mets le reste de côté. Mon gars, ta vie est faite. Je veux dire, tu joues, t'arrives à jouer 4, 5, 6 ans, tu te fais 6 millions, t'en mets 5 de côté, t'en as pour le reste de tes jours. La plupart d'entre vous n'allez pas faire 1 million dans votre vie. je suis en moyenne. Si vous faites 50 000 par année, vous allez faire à peine 1 million dans votre vie. Est-ce que tu rimes régulièrement ou quoi? Je sais pas, faut aller voir. Ça vaut la peine, les sports professionnels, les enfants. On va aller voir si Marc, ça doit être dans ses vidéos. 12 janvier, dernière fois qu'il a streamé. Il stream au 12-15 jours. C'est pas. Il y a des phases où il stream plus, là. Tu vois, le 26 novembre, il a streamé 3 fois. C'est pas un gros streamer, mais. Il stream beaucoup l'été, j'ai l'impression. L'hiver, il doit être bien occupé. Dessiner des emotes comme les tiens, j'en ai de la difficulté. Je dois apprendre du maître. Ah ben écoute, juste à te brancher quand j'en fais. Ouais. Mais
Ah, c'est vrai que le baseball, c'est mieux. Ouais. Puis tu peux être gros. Tu peux être gros puis jouer au baseball. Il y en a qui ont... Ouais. Il y en a qui... Courir plus longtemps que les que de faire le tour du terrain, ça serait tough, hein, je pense. Ça existait encore dans mon... Quand j'écoutais ça, dans le temps... Oh, mon Dieu. C'est quand j'écoutais le baseball, là. Je pense, il y en avait une couple, là, que ça pouvait... Ça avait une couple de livres de trop. Il va sûrement stream bientôt. Les vacances s'en viennent à cause du match des étoiles. Ben, tu vois. Ben là, il doit être en... Il vient d'être échangé. Fait que là, lui, il y a eu un bébé cette année, J.T. Brown. C'est ça, il me disait ça à un moment donné. Il avait pas donné de nouvelles pour un emote. Puis il me dit, ah, excuse-moi, là, je viens juste d'avoir mon bébé. Puis il y a eu un bébé cette année. T'imagines pareil, hein, t'es payé cher. Mais là, regarde, t'as une blonde, OK, t'as un bébé. T'es à Tampa Bay. Puis il faut que t'ailles à Anaheim. C'est pas si pire, ça. C'est pas un gros déménagement de l'enfer. C'est-tu à moins que ce soit... Ouais, c'est quand même, je pense, c'est quand même gros comme déménagement. Anaheim. Destination. Tampa. B. Ah ouais, non, c'est l'autre bord des États-Unis. Ouais, c'est ça. T'sais, mettons... Anaheim, San Jose, là, se faire échanger entre ces deux villes-là, c'est pas si pire. Anaheim, San Jose, Las Vegas, là, tu restes dans le patelin, là, tu peux quasiment ne pas changer de maison. Mais là, c'est comme s'il y avait, Montréal-Vancouver. C'est comme si tu déménageais Montréal-Vancouver. Fait que là, il doit être là-dedans. Je suis pas sûr qu'il va streamer beaucoup. Monsieur Banville, bonsoir. Bonsoir, paramédic. Il y a pas beaucoup de gros maintenant, ils sont généralement tous en shape, ouais. OK. Ouais, mais les... Non, c'est pas à côté, effectivement. Lipman, j'ai fait ma recherche. Des fois, je me trompe, Floride. Ben, Floride, je sais où, là. Mettons, tu me dis Floride, San Francisco, là, je sais de quel bord qu'on parle, là. Mais mettons, tu vas me parler de Tampa Bay, Anaheim, je vais avoir des doutes dans ma tête. Il va falloir que je vérifie avant de dire des conneries. Ouais. C'est un beau minou. Ouais. Mais non, c'est parce que je te dis ça, Cartian, c'est parce que en faisant les montres, t'es pas obligé d'être dessiné. Tu peux prendre des photos, faire du photomontage. C'est pour ça, je veux dire, habitue-toi, fais-toi un template, un gabarit, que tu peux faire facilement des montres. C'est quelque chose que, d'ailleurs, l'été passé, j'ai été obligé de me rapidement, quand ils ont, genre, commence ma phrase, l'été passé, quand ils ont mis en place le système d'affiliation. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé d'être partner, mais si tu avais 4-5 viewers, tu streamais sur une base assez régulière, tu pouvais être affilié. Ben ça m'a fait en sorte que beaucoup, beaucoup de monde m'ont demandé des emotes, puis je pense que j'ai fait ça pratiquement tout l'été passé. Puis beaucoup. Je supposais comme être super relax, mais finalement, j'avais plein de choses. C'était le fun. Mais non, mais puis c'est encore des choses qui me sont beaucoup demandées, mais c'est pas vrai que tu es obligé de savoir dessiner, parce qu'il y a plein de emotes, dans le fond, que tu peux faire en faisant du photomontage. Ouais. Mais sinon, il est 11h23. Moi, je vais m'en aller si je veux me réveiller demain matin, tôt. J'ai des choses à faire avant de streamer. Et puis, merci d'avoir été là, tout le monde. Ça va avoir été un test ce soir de stream. Un test de stream sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch en même temps, qui me coûte pas cher, parce que pour faire ça, habituellement, il faut que tu aies sur un service comme Restream. Puis là, si tu veux avoir Facebook dans Restream, c'est 14$ par mois. J'ai passé outre ça, j'ai installé XSplit. Bon, XSplit, je l'avais déjà comme payé pour quasiment 1 an, 2 ans. Fait que ça me coûte pas cher, ça coûte pas cher par mois XSplit sur le coup, mais j'avais XSplit, puis ça permet, c'est ça que je voulais tester. Je voulais balancer depuis XSplit le stream à 3 places en 2000 kbps, donc 6000 kbps qui partent en tout de chez nous, puis qui s'en vont aux 3 plaisirs, donc voilà, aux 3 plaisirs,
En fait, donc. Wow. OK. J'ai comme lu le chat en même temps que je parlais. Ça a fait un switch dans ma tête. Ça envoie aux trois plaisirs. Aux trois places! Mais ça fait trois plaisirs en même temps. Fait que, ouais, photomontage. Ben, je veux dire, tu prends la photo de quelqu'un, tu la découpes, puis tu fais un emote avec. Il y en a plein de ça. Je veux dire, Kappa, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de emotes, c'est ça. C'est des photos. Te dis bonne soirée, Lipman. Oui, ciao, ciao. Merci tout le monde d'avoir été là. Écoutez, je trouve ça très agréable, moi, de faire un IRL. Je trouve ça très agréable de ne pas être en train de travailler, de juste gosser sur mes affaires d'ordi puis d'être là avec vous autres. C'est peut-être une formule que je vais reprendre souvent. C'est peut-être quelque chose que je vois aussi. C'est quand j'ai pas le goût de gamer, je vais juste pas gamer. Puis quand j'ai le goût de gamer, ben je gamerai. Voilà, donc merci à tout le monde. C'était très agréable. Puis je donne une photo. Voilà, voilà. Voilà, Yves. donc voilà, bonne soirée. Et j'ai pas mon intro de... Tiens, on va faire ça. On va faire ça. Scène vide. On va mettre l'intro. On était rendu là dans nos affaires à soir. On était. Est-ce que c'est là? Transition, animation. Où est-ce qu'est mon outro? Ça doit être dans StreamFile. Vidéo, résumé. Non. Oh boy. Je vois plus rien. Intro vidéo. Wow, 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 wow! Non! Non, voilà. Hey, on a fait l'intro. Yes! On a fait une scène de plus! Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. À demain, vers 9 décembre, quelque chose dans le genre. Assez tôt, plutôt que d'habitude. Ciao. Hey, non, faut que tu recommences! Hé hey, là là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Lui, faut qu'il recommence! Wow, wow, wow! Stop, 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 stop. Toi, là... Remember position. Play on scene, enter. Voilà. Don't remember the position. Allez, on rebalance ça, on recommence. Ah voilà. Ciao. C'est qui quand s'en va host? Quand s'en va host? On s'en va sur HTML5 PHP. Faire un petit host. Allez dire bonsoir. Je vais faire de même. Sur ce, bonsoir. Encore une fois, bonsoir.